Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour la survie du week-end. On va continuer notre petite aventure. Alors la dernière fois vous avez beaucoup aimé la pêche, je le sais, vous avez énormément aimé la pêche. Ce qu'on va faire c'est qu'on va encore pêcher, je vais en parler un peu après. Aussi on a eu la nouvelle par rapport à la partie 4 du DLC qui va arriver. J'ai fait un épisode dessus si vous êtes intéressé à voir. On sait maintenant tout ce qui va sortir pour cette partie 4. Qui devrait, au moment où j'enregistre cet épisode, qui devrait arriver dans 2-3 semaines en gros. Donc voilà. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé. J'ai fait un peu le tri de ce que j'avais, tout ça. Bon, j'avais déjà plein de trucs là. Par contre, j'ai par exemple déposé par terre toutes les choses en fait où j'en avais genre des centaines. Parce que là, il y en a plusieurs centaines. DB, les champignons, c'est pareil, il y a plusieurs centaines. Les glands, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et les massettes, je crois qu'il y en a une centaine aussi. Il y a un truc un peu étrange qui se passe avec les baies. Les baies disparaissent. Voilà. C'est des baies fantômes apparemment. Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça que avec les baies en plus, ça n'a pas trop de sens. J'ai fait quelques tisanes en plus et tout ça, parce que j'en avais un peu beaucoup de côté. Hein. On peut voir, là j'en ai des tisanes, là j'ai beaucoup de café. J'ai du café encore là. J'ai des tisanes. Après les sacs de tisanes, j'ai plus que ces deux là qui sont pleins je crois. Le reste j'en ai plus. On a ça. Après il y a des conserves en plus que je suis allé récupérer, donc ça m'a pris un peu de temps. Mais je suis allé récupérer des trucs comme ça. Et puis voilà. Pourquoi? Parce que on veut faire des réserves pour la mise à jour. On veut faire des réserves. Il y a la batterie aussi. J'avais dit que j'en avais récupéré une. Donc je l'ai ramenée ici. Enfin, il y en a encore même d'autres en fait à aller récupérer des batteries un peu à droite à gauche. Mais bon, c'est extrêmement long à aller récupérer les batteries. On a toujours les jerrycans qui sont un peu augmentés. Enfin, qui sont un peu pleins. Moitié pleins. Et puis voilà. Tiens, on va prendre des bacules aussi. On va prendre des bacules. En tout cas, donc moi ce que je veux faire c'est de la pêche. Alors attendez que je regarde un peu. On a des torches, on les jettera au pire. On a ça, on a de l'heure, on a du fil, des hameçons, on a un bacule. On va peut-être en prendre un deuxième. Très bien. Normalement on est blindé mais léger. Ça, il faudrait que je les fasse cuire, les bouillir là. C'est pour ça que je les garde sur moi en fait. Genre si jamais je fais un feu, il faudrait que je pense à le faire. Donc on a ça, ok, c'est bon. On va prendre on prend le deuxième ou pas? Je sais pas si on prend le deuxième. Pourquoi pas? Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller pêcher, mais pas sur le lac. On va pêcher à la mer. On va retourner à l'autoroute côtière. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on m'a laissé un message. Alors, il y a un problème un peu avec les Wikipédia de The Long Dark. C'est qu'ils sont pas vraiment maintenus à jour. Ils sont vraiment pas maintenus à jour. Donc, je pense qu'on va partir comme ça. Ouais, on va partir comme ça. J'ai un peu recousu aussi mes vêtements et tout. Oh, pardon. Recousu mes vêtements et tout, donc on est bon. Alors, il me reste, c'est le dernier du coup, let's go. Donc on a tout ça. Alors, la connaissance générale en fait de la pêche, pour ceux qui savent pas, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence. C'est ça en fait le message sur les commentaires qui me parlait. Est-ce que il y a plus de poissons ici qu'à la mer? Alors normalement, on va éviter de parler de bugs et tout ça. Normalement, non. Il n'y a aucune différence par rapport au contenu. Au nombre, par rapport au nombre. Par contre, par rapport aux espèces de poissons, si. Avant le DLC, avant qu'il rajoute tout plein d'espèces de poissons, parce que là, on en a vu qu'on en a au moins 4 ou 5 différents. On avait 2 espèces de poissons en eau douce, donc ici, sur un lac. Et après, on avait 2 autres espèces différentes en eau salée, donc au bord de la mer. Normalement. Je suspecte qu'ils ont fait pareil avec le rajout des nouveaux poissons. Hein, il y en a qui sont plutôt eau douce et il y en a qui sont plutôt eau salée, j'imagine. Mais il n'y a aucun Wikipédia qui est à jour. Il n'y a aucun Wikipédia qui est à jour par rapport à la pêche. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas s'ils ont vraiment fait ça. J'imagine que oui, mais voilà. Et du coup ça m'a donné l'idée d'aller à la pêche tout simplement. Donc on va aller à la pêche à la mer et du coup ça nous fait un peu voyager et tout ça. Donc voilà, tout simplement, voilà. C'est ça l'épisode en fait. Après j'avais pensé à aller à d'autres endroits. Comme j'ai dit, j'avais un peu enregistré un peu à droite à gauche. C'était pas super intéressant parce que c'est juste moi qui faisais des allers-retours. Donc je me suis dit là on va faire de la pêche. Vu qu'on en a fait genre une seule fois je crois en tout. En épisode. Donc pourquoi pas refaire un peu de pêche mais autre part. J'ai pas pris de bois sur moi. Ah oui aussi il y a ça là. J'en avais découpé, laissé à des endroits, vous savez. Les bois pour faire des flèches par exemple. Et j'ai pareil pour les bois pour faire des arcs. Je les avais laissés en fait de côté. Et du coup je suis allé en récupérer un peu. Pour les remettre en fait du coup à notre camp. C'est quoi ça? C'est une torche. Pour les récupérer à notre camp si jamais on en a besoin en fait avec la partie 4 du DLC. Donc maintenant on peut un peu parler de la partie 4 du DLC. Donc qu'est-ce que vous en pensez? J'ai regardé un peu les avis aussi sur les forums le forum de Steam. C'est assez mitigé. C'est assez mitigé, je peux comprendre pourquoi. Parce que le jeu en fait, honnêtement, c'était ils ont jamais parlé de loot toxique. Donc, ils ont jamais parlé de loot toxique. C'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. Pour nous, c'était pas prévu du tout. C'est super étrange en fait d'avoir des loot toxiques et tout ça. Et c'est vrai que dans un sens, ça fait un peu penser que le jeu devient de moins en moins réaliste et de plus en plus fantasy en fait. Le fait d'avoir ça, parce que le jeu se veut un peu réaliste et tout ça. Enfin, pseudo réaliste et tout. Je suis d'accord, et c'est vrai que d'avoir ça, bah du coup, voilà, on est loin de la réalité. Après, on peut dire que les ours, les loups de l'aurore, c'est pareil, c'est pas réaliste non plus, on est d'accord. Mais bon, voilà, et... C'est quoi ça, ça okay. Et donc voilà, les gens sont assez mitigés par rapport à ça. Alors, personnellement, ça... Moi ça me dérange pas, de toute façon j'ai jamais vraiment pris le jeu en tant que ultra réalisme. La chose qui m'intéresse de The Long Dark c'est le fait qu'on combat en fait la nature par rapport au temps et tout ça. C'est ça qui m'intéresse, plutôt que les animaux et tout ça. Et c'est vrai que dans les jeux de survie la plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on farme. Alors... Là on fait pareil, on farme, on récupère du bois, on récupère machin, il y a de la farm aussi. Mais en fait, la farm et la construction en fait devient le cœur du gameplay en fait. Non bah super, ça commence bien. Devient en fait le cœur du gameplay, alors que dans The Long Dark c'est pas vraiment. L'exploration en fait prime un peu sur le reste. Et c'est ça qui est assez sympa en fait, que je trouve par rapport à... On va se reposer pour se réchauffer. C'est ça que j'aime beaucoup en fait par rapport à The Long Dark. C'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est vrai que... Après moi ça me dérange pas d'avoir des animaux à combattre. Mais j'aurais bien voulu qu'on ait des meilleures façons aussi de combattre. Parce que là des loups toxiques c'est un peu chaud. Je trouve ça un peu étrange d'être parti dans les loups toxiques. Donc apparemment s'ils vous mordent, ils vont vous empoisonner en plus. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller avec ça. Je sais pas trop comment on va se débrouiller avec ça, c'est un peu étrange. Donc ouais. Après la zone qui soit toxique en elle-même, genre avec du gaz et tout ça, ça me dérange pas parce que c'est intéressant. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? De récupérer du nouveau matériel et tout. Genre anti-toxines, anti-acide. Genre par exemple des bottes et tout ça, anti-acide et tout. Ça a l'air intéressant. Donc ça m'intéresse. Donc je sais pas trop comment ils vont... Comment ça va se passer au final. Mais je pense que ça va être intéressant. Par contre il y a une chose que je trouve un peu... bête, je vois pas pourquoi ils l'ont rajouté, et honnêtement ça je pense que ça va plus être une horreur qu'autre chose. Alors beaucoup de gens avaient peur de l'insomnie à un moment, vous vous rappelez, l'insomnie était sortie, et l'insomnie en fait elle fait partie du brouillard, mais qui est seulement dans la zone de DLC, la toute première zone de DLC, donc le Airfield, comment ça s'appelle, Ah merde, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le mot plutôt. L'aéroport. Elle existe que là en fait. La preuve du contraire, l'insomnie existe que là-bas. Donc au final c'est pas... Putain il y en a plein, c'est bien ça, j'aurais dû venir là plus souvent. Donc au final c'est pas dangereux du tout, parce que c'est que là-bas. Et puis au final, même une fois que vous êtes là-bas et que vous dormez, honnêtement il n'y a pas vraiment de problème et tout ça. Vous vous réveillez de temps en temps et il n'y a rien de... il n'y a rien de dangereux en fait. Il n'y a vraiment, vraiment rien. Ok. Il n'y a vraiment rien, rien de dangereux. Maintenant, le scorbut. Donc, la déficience en vitamine C. C ou D? C, C. C'est une autre histoire. Putain, il y en a vraiment plein, ça tue. Ça tue. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que, en fait, de la façon dont je le vois, ça a l'air de fonctionner comme... exactement... comme la fièvre de l'enfermement, là. Le mal de l'enfermement. C'est-à-dire que c'est une chose, en fait. C'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de vous, mais vous n'avez pas vraiment contrôle sur ça parce que vous ne le voyez pas vraiment. Il n'y a pas de jauge, en fait, qui se remplissent en disant « Tiens, vous allez avoir le mal de l'enfermement bientôt ». Le moment où vous avez l'information de ça, en fait, c'est que vous commencez déjà à l'avoir. C'est que vous commencez déjà à l'avoir. Et ça, c'est un risque, et ça, c'est très très embêtant. Donc à chaque fois, il faut... au bout d'un moment, après, ça devient un peu naturellement. Moi, je l'ai eu peut-être une fois. Non, j'ai eu je l'ai pas eu. J'ai eu la notification que je commençais à l'avoir peut-être une fois, voire deux fois pendant la survie. Pendant cette saison-là. Pourquoi? Parce que maintenant, je me suis habitué. Et je sais qu'au bout d'un moment, si je passe trop de temps, je le sens en fait. Je le sens que si je passe trop de temps en intérieur, on va avoir des problèmes. Donc on arrive à jouer sans. On arrive à jouer sans le déclencher en fait, ça va. Mais la vitamine, ça va poser un problème, je pense. Je pense que ça va poser un problème. Alors ça va pas être un gros problème très très embêtant. Je pense pas que ça va être genre chiant, hein. Je pense pas ça. Mais ça risque d'être quelque chose qui est un peu embêtant dans le sens où il vous faut potentiellement différents types de nourriture. Et c'est un peu embêtant pour ça. C'est-à-dire qu'en plus c'est bête parce que ce sont des... Dans un sens, quand on y réfléchit deux secondes, qui est-ce qui va avoir un risque de développer le scorbut dans le jeu ? C'est qui? C'est quel joueur? Si on y pense deux minutes, hein, on y pense en tant que joueur, parce que je suis sûr que Interland l'a pas fait. Qui est-ce qui va développer ça? Parce qu'ils disent que c'est pour, en gros, avoir une crainte par rapport à ne plus avoir de ressources, et les survies, en fait, qui durent extrêmement longtemps, genre les gens qui survivent, par exemple, 1000 journées, 10 000 journées, tout ça, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Mais c'est qui fait ça? Et c'est qui a vraiment peur de tomber à court des ressources? C'est juste les gens qui jouent en intrus. C'est seulement les gens qui jouent en intrus. Donc, est-ce qu'ils ont pensé à ça, Interland? Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi sur ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous jouez pas en intrus, honnêtement, vous avez plein de conserves. Tout le long. Tout le long du jeu, vous avez plein de conserves partout. Vous avez, encore une fois, je l'ai montré maintes et maintes fois, vous n'avez jamais besoin de chasser, si vous voulez. Si vous voulez ne pas chasser, vous pouvez ne pas chasser. Vous n'avez pas besoin de faire d'arc, vous n'avez pas besoin de faire de flèches, vous n'avez pas besoin d'apprendre à tirer, même. Pourquoi? Parce que vous allez tout le temps trouver plein de nourriture. Mais genre plein. Et vous en avez tellement que vous pouvez pas tout transporter en fait. Et du coup, toutes les conserves qu'il y a, elles vont vous donner sûrement des vitamines. Parce qu'il y a de la soupe de tomates, il y a des pêches coupées, il y a plein de trucs en fait. Donc elles vont obligatoirement vous donner de la vitamine. Donc vous n'allez pas avoir de problème en fait avec ça, avec cette nouvelle maladie en fait que vous pouvez développer. Donc vous n'allez jamais avoir ce problème là. Donc oui, donc ceux qui vont souffrir de ça, c'est seulement les joueurs en intrus. C'est seulement les joueurs en intrus. Et j'ai pas encore testé la mise à jour, elle est pas sortie, hein, mais ce que j'imagine et ce que je connais du jeu, c'est ce problème-là. C'est que il n'y a qu'un seul type de personne qui va souffrir de ça, c'est les joueurs en intro. Donc je sais pas pourquoi ils ont pensé à faire ça. Et après honnêtement, encore une fois, c'est assez comique de se dire qu'on peut tomber malade de ça parce qu'on n'a pas assez de vitamines. Alors que moi, avec cuisine niveau 5, je peux manger de la nourriture qui est à 0%. Ça aussi, ça fait un peu débile, quoi. J'espère qu'avec la cuisine niveau 5, par exemple, on a moins de chances de tomber malade ou alors il nous faut moins de vitamines ou des trucs comme ça. J'espère vraiment. Donc ouais, il y a plein de trucs en fait que je me demande s'ils ont vraiment pensé clairement à ce qui se passait. Après on a quoi? On a le... on a le... comment ça s'appelle? Le travois. Le travois qui arrive enfin. Donc le travois va être une chose qu'on traîne. Donc c'est vraiment bien comme on imaginait, hein. Donc ça c'est cool. Pas comme on espérait, pas comme on imaginait, c'est qu'on espérait. Par contre, apparemment, il serait très compliqué de le trimballer, parce qu'on peut pas le trimballer n'importe où, évidemment, parce que c'est un truc à tirer. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, déballer une pente avec le travois? Moi, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute? Parce que là, on va parler plus ou moins... Je vais aller me reposer là, me réchauffer. On parle un peu plus ou moins des mécaniques de jeu, et on sait que le jeu a pas de physique. On sait que le jeu n'a pas... Comment dire? Si vous prenez Starfield par exemple, ou un peu les jeux du même type, vous pouvez poser un objet par exemple sur un tronc d'arbre, vous allez taper l'objet sur le tronc d'arbre et l'objet va tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une physique en fait à ça, une physique réaliste. The Long Dark en a pas du tout. The Long Dark n'a pas du tout. On peut juste déplacer les choses et une fois que c'est posé par terre, ça ne bougera plus du tout. Donc... comment ça va se passer avec un truc qu'on est censé trimballer derrière nous? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plein de choses en fait où je me demande comment ça va se passer. Donc j'ai un peu peur que ça fonctionne pas vraiment. Je sens qu'il va y avoir des bugs par rapport aux travois. Je suis certain qu'il va y avoir des bugs. Mais par contre, une très bonne chose, c'est que le travois peut être craftable. Enfin non, il est craftable, pardon. Donc ce qui veut dire c'est qu'on peut techniquement en faire dans n'importe quelle région. Vous voyez là on peut en faire un, donc du coup on peut aller d'un endroit à l'autre sauf sans changer de zone. Parce qu'en fait moi je pense que c'est ce que je vais faire. Genre on va prendre par exemple genre le ravin, on va pas pouvoir prendre je pense un travois, passer le ravin et se retrouver à l'autoroute côtière, ça va être trop... Le terrain est trop compliqué en fait. Si on doit passer les rails et tout ça, je pense pas que ça va fonctionner par exemple. Ou alors si on doit prendre une corde, ça c'est sûr que ça fonctionnera pas, ça c'est certain. Donc, mais du coup on peut en crafter en fait plusieurs, et ça c'est bien, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment la bonne chose, c'est qu'on va pas être limité à un seul travois, c'est pas un objet spécial, non, c'est un craft. Donc ça c'est cool. Mais bon, il y a des craintes encore une fois avec les mécaniques du jeu en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je pense qu'ils devraient... Ils ont pas vraiment dit, mais je pense pas qu'ils l'aient fait. Ils rajoutent pas assez de craft par rapport aux anciennes peaux. Genre là, encore une fois, on va se taper des loups. Donc on va avoir trois sortes de loups en tout. On a les loups normaux, les loups noirs. On a les loups gris qui chassent en meute. Et maintenant, on va avoir les loups toxiques. Et avec les loups, on peut faire quoi comme vêtements? Juste les manteaux, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que les manteaux en loup. Donc vous voyez, ça c'est aussi une erreur, je pense, de leur part. Mais bon, ils aiment bien faire ça, j'ai remarqué. Genre ils ont mis genre 4 variantes du revolver, par exemple. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aurais bien voulu, et je voudrais bien qu'ils réfléchissent un peu 5 minutes pour nous donner plus de solutions. Enfin, pas de solutions, mais plus d'options. Je voudrais vraiment avoir plus de craft avec les anciennes peaux en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ouais, non, il faut le couteau. Donc ouais, ça c'est des choses que je me dis que... Ah, il devrait un peu retravailler sur ça, sur tout ce qui est craft. Ça serait vraiment bien. Parce que les loups, en plus les peaux de loup, si vous jouez comme moi, enfin si vous faites du endgame, j'ai envie de dire, comme moi, vous avez aucun vêtement en loup, parce qu'ils sont pas assez bien. Donc du coup, bah, les peaux de loup, vous vous en foutez. Et puis les loups, c'est ce que vous tuez le plus. Parce que les loups, ils sont nombreux partout et ils attaquent. Donc, ouais, donc c'est chiant, quoi. C'est très chiant. Ok, ça se passe bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Je sais pas où exactement on va aller pêcher. Je pense qu'on va aller au camp, au gros camp. Donc c'est la station service parce que je crois que j'avais laissé plein de poissons. Et je voudrais aller voir en fait ce que j'ai là-bas. Il y a des loups à droite, je viens de voir. Te pète pas une jambe, s'il te plaît. Le jumpscare, attention. Oh, ça va. Ah, il y a un loup là. Et il vient de tourner. Ok, ça devrait aller. Ok, ça va. Ok, on peut retourner à notre conversation. Donc voilà, ouais, c'est des choses que je me dis que le DLC, la partie 4 va être vraiment bien. Bon, après, ça peut être un carnage, hein, encore une fois. Ils avaient rajouté la cuisine. Sur le papier, ça avait l'air extrêmement bien. Au final, ça a été un vrai carnage. Genre, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas. Les gens pouvaient pas récupérer les recettes. Puis après, il y a eu une mise à jour qui a été une catastrophe monstre. Voilà, quoi. Et donc, ça peut ne pas bien se passer. Mais en général, je pense que c'est une bonne mise à jour. Mais je pense que certaines choses, ils ont pas vraiment pensé, en fait. Ils rajoutent des problèmes et les problèmes en fait vont souvent impacter une seule difficulté, vraiment une seule difficulté, c'est tout le temps l'intrus. Et c'est vraiment tout le temps l'intrus au final hein, quand on y pense. Hein. C'est comme le fait d'avoir fait en sorte qu'il faut des batteries de voiture par exemple pour les antennes et tout ça. Qui c'est qui paye le prix? Bah, c'est ceux qui jouent en intrus, parce qu'on n'en a pas beaucoup, en fait. Vous voyez, donc c'est tout le temps la même difficulté, en fait, qui paye le prix pour ces nouveautés, parce qu'ils savent pas vraiment balancer le jeu, quoi. Et ils pensent pas vraiment à ce qui va se passer. Donc c'est embêtant. Mais bon, on va voir après, au final, comment ça va être, hein, comme d'habitude, on va voir. On va aussi avoir des nouvelles tales. C'est quoi ça là-bas? C'est un loup? Ouais, c'est un loup. Une nouvelle histoire du coup. Donc apparemment cette histoire va être complètement nouvelle. Et de ce que j'ai compris, ça n'a pas l'air d'être exact... Quoi ce bruit de poisson? De ce que j'ai compris, ça n'a pas l'air d'être lié aux antennes en fait. Enfin, en tout cas, ils l'ont pas dit. Donc ça va sûrement être une nouvelle mécanique. Ça va sûrement être une nouvelle mécanique. On a entendu le bruit de pêche, en fait. Ah, c'est parce que j'ai un truc là-bas. Ok, j'ai un bacule. Bacu. Pourquoi j'en ai un là-bas, en fait? C'est le plus proche. Bah attendez, j'ai pas vraiment froid, donc pourquoi pas y aller? Ah, lui il m'embête par contre. Mais on va devoir le tuer, je pense. Ah, j'aurais pas dû en prendre, j'en ai deux là. Ah, on va le tuer lui parce qu'il va m'embêter sinon. J'en ai trois ici. Pas très bien tiré. Yeah, trop bien. Non, j'en ai deux. C'est bien, hein. Je me demande s'il casse au bout d'un moment, genre automatiquement. Ou alors c'est juste parce que j'ai pas de chance. Genre quand ils sont dans la glace et c'est gelé. Ouais, je pense que le fait qu'ils soient dans la glace, ça le casse en fait. Ouais, du coup c'est juste de la perte de temps. C'est bien, 77%. Ça aussi, je pense que ça prend trop de temps à casser. Donc 77, on est passé à 75. Ah, on commence à avoir froid, évidemment. Juste quand je veux pêcher, il commence à avoir froid. Il commence à faire froid, pardon. Ok, très bien. Alors, ça, 2 heures. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, des truites arc-en-ciel. Donc ça, on en avait. Super. Waouh, ça servait vraiment bien. 3 heures de pêche, et c'est ce qu'on a. Un poisson. Ah, par contre, ça va être compliqué de rentrer pendant la nuit. En plus, je sens le poisson. De prendre de la hauteur. Ouais, ça a l'air d'être ok. Ça va. On est bon. On est bon. Non, putain, je... Ok, très bien. Donc on a eu un... une truite arc-en-ciel. Elle est déjà à 90%, c'est chaud. Toute minuscule, toute pourrie. On va la garder. J'aurais dû la mettre dehors, mais il fait complètement nuit, donc j'ai pas envie de me faire choper par un... Je crois pas qu'on soit très fatigué, donc du coup ça va être un peu embêtant là. C'est bien ce que je pensais. On pourrait prendre du bois et faire, du feu. Ouais, on pourrait faire ça. Attends. On sort l'arc. Alors, fais voir, il est où le... Où est-ce qu'il est? Il est peut-être sur le chemin, il m'a peut-être flairé, mais pour l'instant je vois rien. Ah, ça... Ça c'est un poisson d'eau de mer, celui-là par exemple, voilà, on le trouve vraiment que en eau de mer. Ah, j'ai quoi? J'ai encore plein de viande d'ours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Saumon argenté. J'avais quand même pas mal de... poissons. Ce que je vais faire, j'ai bien envie d'aller récupérer du bois. Mais je vais peut-être couper ça, parce qu'il me faut pas mal de bois, mais ça va prendre du temps à récupérer du bois, non? Attendez, on en a assez? On en a combien? Ah, ça va en fait. Ah! Je savais bien que j'avais des réserves. Très bien. Je savais bien que j'avais des réserves. Alors, mange. Ok. Je vais voir un peu le bois que j'ai. On a 47 et ça, c'est pas mal. On peut aller directement pêcher un peu. Je sais pas si j'ai de l'eau par contre. Faudrait que j'allume une torche. Une lampe. J'ai pas vraiment envie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, peut-être que je vais prendre un faitout par contre. Oh, il y a une tempête évidemment. Serve. J'ai pas de faitout. Ah, il est là. Putain, mais je vois rien. Ouais, non, mais on va pas combattre maintenant. Pas dans la tempête. C'est un peu embêtant, là. J'avoue que c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, tout simplement. On attend que ça passe. Normalement, il doit faire jour. Ah! Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait laissé ici? Plein de trucs. On avait quand même laissé vraiment plein de trucs. Ouais, on avait plein de trucs. Après, je sais que j'avais ramassé pas mal encore de choses. C'est pour ça que cette zone-là, je suis pas encore retourné. Parce que je voulais... Je savais en fait que je voulais faire un épisode sur cet endroit, donc du coup c'est pour ça que je suis pas retourné. Mais on a encore plein de nourriture comme ça. J'ai bien envie de prendre des tisanes avec moi, tu vois. Donc j'y pense. Il y a le cuir aussi. Pour le travois, je suspecte qu'on va avoir besoin de cuir. Je pense, je dirais. Parce qu'ils disent que c'est des bois en fait, donc on en a là ou pas? Ouais, ceux-là. Alors je pense que ça va être ceux-là du coup. Et on voit dans la petite image en fait du travois que c'est deux bois comme ça en fait, en croisé en gros. Et après il y a le sac en lui-même. Donc le sac a l'air d'être en peau. Alors si j'avais... Si je me demande, j'essaierai de trouver ce que c'était. Je pense que c'est de la fourrure de cerf, le sac du travois, principalement. Et après, je pense qu'il est sûrement attaché avec du tissu, voire du cuir. Donc si jamais vous n'avez pas une petite réserve et tout ça, parce que ça, il faut le faire sécher encore. Hein, ça prend genre 5 jours, je crois, à faire sécher. Donc essayez de faire sécher des trucs comme ça. Et je dirais de récupérer au moins 2-3 bois de ça. Cela je pense pas, mais bon, faites-le aussi. Donc ouais, moi c'est ce que je le vois comme ça en fait, le travois. Je pense qu'il va être comme ça. On a un poisson qu'on peut utiliser pour faire des appâts. Je l'ai déposé mon poisson. Je l'ai déposé mon poisson, mais je sais pas où. Ah, le faitout, je sais pas regarder le faitout. C'est quoi le poisson le plus commun là? Le saumon? L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, oui, c'est celui-là qu'on vient d'avoir. Le sébaste. Y'a pas un petit poisson? 1200. Ça c'est pas un poisson, c'est du charbon. On va prendre la truite. J'ai pas de faitout. J'ai pas de faitout ici apparemment. Ça c'est embêtant ça. Ah oui, il y a aussi un truc qui m'inquiète. Parce qu'ils ont dit que ils allaient donc rajouter les bouteilles, les thermo-bouteilles là. Pour maintenir le... Ah voilà, on va prendre ça. Maintenir la chaleur. Et ce qui me fait peur en fait, c'est... Ah, j'ai peur que si je dépose ma poêle, je vais l'oublier. On va la garder sur soi. Je suis sûr qu'on va avoir des problèmes avec ça. Pour les gens en fait qui ont déjà des sauvegardes en fait, qui sont en train de... Bah, comme moi par exemple. Parce que ça va être apparemment des objets qui vont être un peu n'importe où dans le monde. Oh, putain. Genre comme des bouteilles d'eau ou des trucs comme ça, quoi. Donc en théorie... Je pense que ça risque de poser problème. Ça va être comme genre l'huile pour la cuisine, en fait. Tous les objets de la cuisine. Alors après, moi, j'ai... pas trop à me plaindre parce que j'en ai quand même pas mal de côté, j'en ai trouvé quand même. Après j'ai envie de dire, j'en ai jamais utilisé aussi. Enfin non, c'est faux, j'en ai utilisé, mais j'en ai utilisé très peu. Je suis sûr que j'ai jamais fini un stack d'huile, fini un stack de sel, fini un stack de farine et tout ça. Je suis quasiment certain que j'ai jamais fini les premiers stacks que j'ai trouvé en fait. Donc j'en ai utilisé extrêmement peu pour faire mes aliments. Et j'en ai trouvé au final, bah, comme on peut voir, hein, j'en ai pas trouvé des masses. Donc j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur que ces bouteilles, elles soient peut-être un peu trop... Ou alors qu'elles apparaissent pas et tout ça. J'ai un peu la peur de ça par contre. parce qu'on a vu qu'Interland n'était pas les meilleurs pour ce genre de rajout en fait. Donc j'avoue que j'ai un peu peur de ça, je vais être honnête, ouais, j'ai peur de ça. Ah, avec de la chance on peut peut-être peut-être faire du feu avec la loupe. Donc ouais, il y a ça qui me fait un peu peur, il y a vraiment ça. Et apparemment aussi on devrait trouver des filtres pour le respirateur. Ça aussi, ça me fait un peu peur, mais bon, je pense que c'est lié surtout à la zone de DLC, donc ça devrait bien aller. Mais voilà. Voilà, j'espère que je vais en trouver des bouteilles, hein, qu'on en trouve plusieurs et tout ça, ça va être marrant. Parce qu'apparemment, elles auraient des dessins différents en plus, ce serait cool. Alors, du coup... Du coup... C'est ça. J'ai envie de faire un feu en fait. Ah, 0%. 0%, 0,0 ou 0 parce qu'on est en intérieur. Non, c'est 0, 0. Ah, il est pas assez. Ah peut-être que... Ah, j'aurais pas dû... Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, allumette... J'en ai pas mal hein, à la maison, donc ça va, c'est pas très grave. On commence un peu à utiliser les choses qu'on a, parce que... Sinon... Voilà. Alors, on peut casser un autre trou pour mettre un bacule. Putain, ça gèle tellement vite, ça. Ou alors on fait que pêcher ici. Dans un sens, je dirais pas non à que pêcher ici. Alors déjà, je voudrais voir ça. Action, recycler 4. Très bien. Alors, on va utiliser un trou. On va utiliser un trou. Ce qui est embêtant, c'est qu'on doit faire des allers-retours en fait pour ouvrir les trous à chaque fois. C'est le plus chiant du système en fait. Alors attends, je peux faire celui-là peut-être? Ouais, comme ça j'ai la chaleur. On perd du temps à faire ça, c'est ouf, c'est incroyable. Ça, il faudrait que ça soit géré par la chaleur ambiante, honnêtement. Il y a un truc que je voudrais faire aussi, c'est regarder le bord de mer, voir si on a des objets en fait qui se sont échoués. Ça pourrait être intéressant. Ah, j'ai pas mis de l'eau à bouillir. C'est nul la pêche. Ah tiens, je vais avoir le problème des vêtements là qui se réchauffent pas. Ah, putain, il faudrait que j'annule, non? On a une prise. T'es sérieux là? Oh putain, ce bug qui est toujours pas corrigé quoi. Donc, ce qui se passe c'est que les choses se réchauffent pas en fait, même si vous vous mettez à l'abri. Une fois qu'ils ont été touchés par l'air en fait, ça se réchauffe pas automatiquement. Il faut les déposer par terre. Et après ça fonctionne. Voilà, maintenant ça va baisser là. Alors on va faire de l'eau, non, faire de l'eau j'ai dit, de l'eau, de l'eau. On peut encore. Très embêtant hein, ce bug. Et ce bug il est apparu quelques mois après la sortie du DLC, ils l'ont jamais fixé. Ils ont absolument jamais fixé ce problème. Ok, donc on va... ça et ça. En fait, faut pas les laisser les bacules. Parce que moi je les laissais avant. Mais en fait non, faut pas les laisser. Parce que sinon ils prennent la glace et c'est fini quoi. Ok très bien, il va falloir que je mange aussi. Ça, ça. Encore 2 heures. Allez ding ding, vas-y go, ding ding. Faut que ça fasse ding ding. Non, okay. C'est horrible la pêche. J'ai mis de l'eau, j'ai même pas mis d'eau. Il fallait que la pêche il fâche quelque chose d'autre, je sais pas, augmenter les taux de probabilité, genre monter un peu les pourcentages parce que c'est quand même un peu catastrophique. C'est un peu catastrophique. Ah j'ai plus de d'appât. Donc on a eu le saumon. Le saumon argenté c'est spécial à la zone. Donc du coup on va le garder. Ok, on va faire ça. Très bien. Est-ce qu'on fait le poisson ou pas ? Est-ce qu'on en fait du poisson? Si je le fais cuire, après je vais avoir de l'essence là. Mais j'ai pas de jerrycan en fait. Donc ça m'embête un peu. Prendre un autre et on va en faire des appâts. J'aurais peut-être dû manger le 340 peut-être. 30 minutes à chaque fois, c'est beaucoup. Ok, ça c'est bon. Très bien. Et on a récupéré du coup du fuel qui est là, 003. On va encore faire 2 heures. On n'est pas encore trop fatigué en fait. Toujours regarder quelques bâtons sur soi au cas où. Pam pam, 2 heures. Ça va. Allez, un gros poisson s'il vous plaît. Oh, t'es sérieux quoi, rien du tout. pouvoir rentrer bientôt. On peut faire 1 heure. Ah, c'est nul de nul. C'est nul de chez nul. On va peut-être faire cuire un poisson. Donc on y est. On va faire cuire celui-là. Non, parce que celui-là, la truite arc-en-ciel, on peut en avoir en fait au lac. Donc c'est pas rare, on n'a pas besoin de venir ici. Pour le moment... de ce que je sais pour venir ici... Ah putain mais j'ai un loup, c'est vrai à côté. Venir ici en fait ça permet d'avoir du saumon. Et après l'autre aussi là, le truc un peu bizarre. C'est vrai que j'avais le loup quoi, putain quel con. J'avais complètement zappé le loup. J'avais complètement zappé le loup. Minutes. On peut pêcher pendant 1 heure. Allez, donne-moi un truc. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. What the fuck? Ah, on a une aurore boréale. C'est quoi déjà? C'est ça qu'il nous faut, nous. Non, elle est là-bas. Du coup. Je pense qu'on va rentrer. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu comment ça disparaît? C'est pas... Tout à l'heure aussi ça l'a fait, mais j'ai pas noté, j'en ai pas parlé. Mais vous avez vu comment ça... Comment... La viande a disparu d'un coup? Genre j'ai mangé et ça a disparu. Genre instantanément, ça a pas fini l'animation, vous voyez ce que je veux dire? L'animation du truc qui tourne là. Bizarre. Bon, on va faire encore 1 heure et après on se casse. Et ben voilà. Tout pour rien, c'est bien. Allez, on rentre. On peut encore courir, ça va. Ce qui pèse lourd là c'est l'eau en fait. Bon bah c'est bien, on a pêché, on a récupéré genre 2 poissons avec la pêche je crois en tout. Et après c'est quoi, 2 autres avec les bacules, c'est bien. Mais ouais, faut pas les laisser du coup. Donc ils cassent bien avec quand ils sont submergés de glace en fait. Ils cassent. Donc ça c'est une chose que j'étais pas complètement sûr. Donc ouais. Bon bah je suis content. Alors je pense que le deuxième épisode, le prochain épisode, parce que ça c'est un truc que j'en ai toujours parlé, et on l'a fait un tout petit peu à moitié, on va dire, c'est de regarder en fait tout le bord de l'océan. Alors, le problème avec... Alors, ça, c'est un problème du jeu, par contre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment voir les choses de très très loin dans le jeu. Même moi, j'ai toutes les options au maximum. Hein. Genre la distance d'affichage et tout, c'est tout au maximum. Mais encore une fois, le jeu est codé d'une telle façon où les choses ont tendance en fait à apparaître vraiment quand elles sont plus ou moins proches. Genre à la distance par exemple de... Je dirais de ces arbres-là des fois. Et si vous êtes plus loin que ça en fait, vous n'allez pas pouvoir voir en fait ce qu'il y a par terre. Donc c'est un peu compliqué de scruter le bord de l'océan du coup, de loin. Il faut, la plupart du temps, il faut aller, aller un peu proche en fait. Donc ça c'est très très embêtant je trouve. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. C'est qu'on va faire un peu le tour et on va voir si on récupère des choses. Parce qu'on m'a dit qu'on pouvait avoir des bateaux et tout ça. Et j'avoue que moi j'ai jamais vu de bateau s'échouer. Mais comme j'ai dit, je l'ai pas vraiment bien fait. C'est pas comme si j'étais passé plusieurs jours en fait. Vous voyez, à regarder. Donc c'est une chose que je voudrais faire. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, par contre on va être complètement déphasé avec... Avec le temps là. Alors, du coup on va déposer l'eau. J'en ai un peu trop. Hop. On a un poisson, un saumon. On va aussi le déposer. J'aurais dû me baisser. Ça c'est cuite. Ça c'est cuite aussi. Ok, nickel. Mais ouais, on n'a pas eu... On n'a pas eu trop de choses là, on n'a pas eu trop de récompenses. Un peu dégoûté. Alors ça, alors le mieux c'est de garder celui-là. Cuite. Regardez, est-ce que ça va partir d'un coup? Non. Je sais pas, ou alors c'est peut-être moi qui l'imaginais, mais j'ai l'impression que... En fait, c'était genre quasiment fini, mais pas totalement fini. Hop, c'est parti du coup tout à l'heure. Je sais pas, c'est un peu étrange. Un truc que je voulais faire, c'est bouillir ça, mais bon, vu qu'on j'ai un peu trop tiré sur la corde, on était extrêmement fatigués. On le fera la prochaine fois, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. On va dormir le plus possible. Peu importe qu'on dorme la journée et tout ça, c'est pas grave. On va se débrouiller. Et on va aller au bord de l'eau. On va voir ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Pour le moment, c'est des épisodes un peu lents. Enfin, pas lents, mais j'ai envie de dire où on fait pas trop d'exploration. Parce que bah, on a exploré plusieurs... genre quasiment toute la totalité en fait de toutes les régions. J'avoue. Donc, et j'ai pas vraiment trop envie de me mettre en danger et partir dans un truc très loin non plus. Parce que là, on a vraiment un bon camp qui est donc le lac Mystère. Encore une fois. Donc j'essaye de patienter un peu. Le temps que la partie 4 sorte en fait. Tout simplement, évidemment. Je crois que tout le monde est en train de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ouais, on essaye de faire quelques petites aventures et tout ça quand même. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir... on va recommencer ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.